Il y a une raison pour ne pas accorder l'essai. Dangereux ça. Ça, il faut l'enlever. Ok, essaie. Merci.
prendre le ballon, monsieur. Là. Oui, merci. Merci beaucoup. Non, c'est les blancs, c'est les blancs. C'est les blancs qui vont au sol. Stop! Stop! Poteau, messieurs. Ouais, je crois qu'on est volontaire, on se déplace beaucoup en défense, même si on subit des impacts, on perd un premier ballon, on prend un essai à zéro passe, on en perd un second derrière deux passes, peut-être un peu litigieux, je ne sais pas, en tout cas derrière c'est Adam, contre ces mecs-là avec des qualités, il faut absolument ne pas faire de faute et être vraiment maître du ballon, que ce soit par le pied ou par le main. Merci. Numéro 9, s'il vous plaît. 9, pardon. Allez, les gars. Monsieur. Là-haut. Thank you.
Maxime, un retour victorieux à Mayol. Victoire bonifiée une nouvelle fois pour le RCT. Comment vous expliquez et vous jugez cette performance? Beaucoup d'approximations, que ce soit pour ma part ou même collectivement. On a perdu beaucoup de ballons, on n'a pas été très précis vraiment sur ce qu'on voulait faire. Mais l'objectif est atteint, donc on va dire un match de reprise malgré les bonnes conditions. Et on va dire quelques joueurs en forme comme Mathieu aujourd'hui. Justement, vous parlez d'un match de reprise, il y a quand même un score qui est lourd. C'est aussi bon signe pour la suite, ça permet de travailler dans un climat de sérénité. Oui, ouais, c'est vrai que on va dire gagner avec le bonus et mettre 40 points, ça reste toujours positif. Mais on n'est pas dupes sur le contenu et sur le nombre de ballons qu'on a perdu. Malgré tout, il y a des bons enchaînements, donc des bonnes bases pour réenchaîner avec la Coupe d'Europe. Vous êtes content d'avoir retrouvé Mayol? Ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué là et renouer avec la victoire devant le public, c'est toujours sympa. Merci. Frédéric salue son ami JP Petersen en tribune. On l'a vu très à l'aise, hein. Il semble aimer Mayol. Ouais, je crois qu'il a dû apprécier le spectacle. Justement, Frédéric, comment vous jugez cette belle partie pour un retour à Mayol? Victoire bonifiée, contrat rempli, tout va bien? Ouais, contrat rempli. Une belle équipe hein, de Grenoble, on savait qu'ils étaient dangereux. Et voilà, ils ont joué, ils ont même très bien joué. Ça a lâché dans les dernières minutes, mais bon. Il y a eu pas mal d'intentions et je suis assez, je pense, content comme tout le groupe de l'état d'esprit. On a rien lâché, on s'est fait plaisir. Voilà, c'est bien. Frédéric, on a beaucoup parlé de vous pendant 3 semaines. Vous revenez en championnat, comment vous vous sentez là? Bah, très bien, content de revenir. Et on a des gros matchs qui arrivent en Coupe d'Europe, donc très excité. Le maillot bleu, vous avez dit pendant 3 semaines, je veux pas que mon statut soit mis en avant. Est-ce qu'aujourd'hui en club, vous pouvez dire que vous avez un rôle plus important que les autres? J'ai le même rôle que ce que j'avais depuis le début de la saison. Et voilà, j'arrive dans un nouveau groupe et j'ai envie de bien faire et puis c'est tout. Voilà. Merci.